Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire, enfin, je vais faire une initiation, pas une initiation, mais quelque chose d'avancé en langage basique interprété sur les Thomson. Donc, ça va être pour écrire des cartes pour des styles de jeux de RPG, c'est-à-dire de jeux de rôle type Ultima. Alors, on va tester différentes approches, enfin, pour les cartes, sur MO5, TO7 et puis TO8. Alors déjà, je vais vous montrer un petit programme qui affichera tous les motifs que j'ai créés. Voilà, donc c'est du code que j'ai créé personnellement. Hein. J'ai pas recopié sur quoi que ce soit parce que je suis développeur, donc voilà. Donc là, j'utilise DC Moto de Daniel Coulon. Alors Daniel Coulon, c'est vraiment un dieu du. Enfin, je dis pas que c'est un dieu, mais c'est un mec qui est génial. Il a créé un émulateur sur tous les Thomson qui fonctionne du feu de Dieu. Il émule tout, hein, donc voilà. Donc là, je vais faire fichier simuler clavier. Voilà. Donc en fait, j'utilise un éditeur de texte sur Linux hein, et je tape tous mes codes basiques, assembleurs, etc. dessus et je fais des copier-coller sur le truc de, enfin, sur l'émulateur de Daniel Coulon à chaque fois. Donc là, je fais un run. Voilà. Donc ça, c'est censé être les différents sprites, enfin les caractères utilisateurs du jeu. Donc en haut on a les montagnes, en deuxième on a enfin, des arbres qui représentent des forêts, troisième c'est une prairie, hein. Bon j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Je suis pas un artiste, hein. Quatrième c'est du sable. Alors la première version j'ai testé sur TO7 et TO7 ça donne une couleur jaune et des TO8 aussi. Alors la cinquième ligne c'est la rivière, sixième ligne c'est la mer, septième ligne c'est notre personnage, hein, le bonhomme. Ouais, il ressemble plus à un robot qu'un mec en armure, mais. La huitième ligne, c'est un château fort pour un donjon. Hein. Neuvième ligne, c'est un village. Donc j'ai voulu faire un village un petit style africain, un truc comme ça. Dixième ligne, c'est une forêt de conifères. Alors la deuxième ligne, c'est une forêt de feuillus. La dixième ligne, c'est une forêt de conifères. Et la onzième ligne, c'est un pont. Voilà. Donc on va voir un peu le code de tout ça. Donc là, en fait, il y a plusieurs parties. Alors. Donc comment on fait ces choses-là? Alors évidemment, alors comme toute chose, alors on fait donc les deux premières lignes, c'est pour faire des paramétrages du basique. Donc on a un clair 2000 pour réserver 2000 octets en mémoire pour les caractères, enfin pour les chaînes de caractères. Et la troisième virgule, là, enfin ce qui apparaît la troisième virgule, c'est qu'on réserve 128 caractères utilisateurs. Donc en fait c'est comme s'il y avait des caractères lettrés, sauf que là c'est vous qui les définissez pour créer vos propres dessins, ce qui représentera les arbres, le château fort, etc. Voilà, bon ça vous connaissez déjà. Alors important, très important, sous les basiques de Thomson, def int az. C'est pour définir en entier toutes les variables qui commencent par entre A et Z. Alors bien sûr, vous pouvez définir par la suite des variables réelles, mais définir ça comme entier, ça veut dire que ça peut diviser par 2 ou par 3 les 30 traitements. Hein, c'est hyper important. Ensuite, donc la carte max, donc c'est pour la largeur max, la largeur maximale d'une carte, de la carte. Et la carte Y max, c'est la hauteur. Et là, print chrs de et DS14, en fait c'est le code universel sur tous les Thomson pour dire que je mets le curseur en pause, c'est-à-dire qu'il clignote plus. Alors, parce qu'en fait on a une instruction en basique 128 et 512 qui est locat,0, mais ça fonctionne pas avec le basique 1.0 des MO5 et TO7. Donc ensuite réserve une chaîne, enfin 16 chaînes de caractères de type qui s'appelle motif. Donc, alors pour vous donner un ordre d'idée, donc on a pour chaque motif, on a un DevJRS, enfin plusieurs DevJRS. Là, chaque motif, en fait, il y a 4 caractères par motif, ou pas de caractère du tout. Là, on représente par exemple ce qui est une ville. Donc là, on a la définition des caractères utilisateurs de la ville. Donc, on a les 8 octets qui représentent les 8 écritures de haut en bas. Donc on a 4 motifs comme ça, enfin 4 sprites de définition utilisateur. Et voilà, donc DevJRS20 à DevJRS23. Ensuite, on définit le motif, c'est-à-dire que c'est une chaîne de caractères qui définit tout ça. Alors c'est ça qui est important. Ici, on a CHRS 127 et CHRS de 174. En fait, dans les basiques, en fait. Le 27, c'est un caractère d'échappement qui permet d'accéder à d'autres types d'écriture entre guillemets.
C'est-à-dire que ça permet par exemple de changer la couleur d'écriture, la couleur de fond, la couleur de tour d'écran, et puis plein de petites choses comme ça qui sont disponibles dans ce qu'on appelle le moniteur du basique, qui comprend plein de petites routines, hein. C'est ce qui permet par exemple de définir la double hauteur, la double largeur des caractères, de passer en mode télétexte, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce moniteur-là, il prend beaucoup de place. Et bon, je parlerai un peu de ça par la suite. Donc voilà, 74. Alors là, 74, en fait, j'ai fait deux versions pour la carte là. Parce qu'en fait, il s'est avéré que sur les TO7, c'était pas les mêmes caractères utilisateurs que. Enfin, pas la même caractère d'échappement pour les couleurs que pour les MO5. Alors, on va voir ça là. On va voir ça là, par exemple, ici. Ouais, là, si je prends par exemple, alors ça c'est pour le MO5, hein. Si je prends ce motif 5, c'est la merde, non, c'est pas bon. Je vais prendre le motif, alors le quoi? On était quoi là? 27, ça 40. Tiens, celle-là par exemple, le château. Le motif là, vous voyez, c'est CHRS 27 et CHRS de 48. Alors si je le prends pour le TO7, là, château, motif, alors motif, là on voit que le motif, c'est CHRS de 27 et CHRS de 74. En fait, c'est ce que je vous dis, hein, parce qu'en fait sur les TO7, à l'origine, il y avait que 8 couleurs d'écriture et de fond et de contour, et donc ça, ils arrêtaient les valeurs, ils allaient de 40 à 47 et de 50 à 57, et donc il y avait 8 couleurs d'affichables alors que les MO5 il y avait 16. Et donc pour les TO7, en fait, pour passer en TO7 110 et TO8, ils ont en fait été chercher d'autres caractères, enfin d'autres valeurs qui sont là 74. Enfin, de 70 à 60, à 70, de 70 à 7F, et pour l'ensemble des couleurs, en fait. Alors que pour le Thomson MO5, c'est pas le cas. Ça va de 40 à 4F, et de 50 à 5F. Parce que les MO5, ils avaient 16 couleurs d'affichage au lieu de 8 par rapport au TO7. Donc, c'est vrai que c'est un peu long à expliquer, mais de toute façon, vous trouvez la descriptive de tout ça. Donc, après, où est-ce que je voulais en venir? Voilà, donc ça c'est pour ça que j'ai fait deux versions pour l'affichage des sprites, hein, enfin de l'affichage des icônes là, comme vous voyez. Et ce qui se passait sur les MO5, quand je prenais les caractères d'échappement de TO7, c'est que ça affichait les caractères en double largeur. Donc en fait, le bonhomme rouge par exemple, il apparaissait, non pas le bonhomme rouge, mais là où il y avait un changement de couleur qui allait dans les couleurs pastel, et bien en fait ça s'affichait en double largeur et double hauteur. Un peu comme le jeu, comment ça s'appelle, Graal de Free Game Blow. Voilà. Et donc, voilà où je veux en venir. Maintenant, donc on définit les caractères utilisateurs, et ensuite on définit les... Enfin, c'est des chaînes de caractères qui présentent à chaque fois un motif. Donc un motif qui est composé de quatre caractères utilisateurs. Alors, donc là c'est pour là comme on dit là, on voit là, c'est donc CHR237, c'est le caractère d'échappement. Pour dire que on utilise la couleur 4B là. Ensuite GRS220, c'est les caractères. Là, c'est les caractères, donc les caractères utilisateurs. Ensuite, là, on change un nouveau de couleur. Non, c'est pas ça. CHRS 4A. CHRS, c'est un autre changement de couleur, là, effectivement. Et là, on a CHRS de 10, CHRS de 8 et 8. Donc, en fait, là, c'est des caractères qui permettent de jouer avec le curseur. Sur les Thomson, les codes ASCII. Pour les flèches, ben comme tous les ordinateurs, hein, c'est le 8, 9, 10 et 11. Le 8, ça permet d'aller à gauche, le 9 à droite, le 10 en bas et le 11 en haut. Voilà. Donc, quelques petits trucs. Donc là, c'est ce que je dis là. Hein. Par exemple, là, CHRS 227 et CHRS 274, c'est pour les couleurs du TO7. Et là, CHRS de. Alors là, c'est écrit là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de faire deux versions pour le jeu.
Donc c'est ce que je disais, à l'origine le TO7 avait 8 couleurs, etc. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, alors pour le jeu en question, alors là je vais fermer ça déjà, je vais fermer ce truc-là. Maintenant on va passer donc à l'affichage du jeu version MO5. Enfin la première méthode. Alors la première méthode en fait, c'est que là, donc en fait pour créer une carte, il vous faut un tableau de n sur n sur m, n sur m dimension. Alors ce qu'il faut savoir c'est que en fait quand vous réservez la place pour un tableau, par exemple carte 1 là, c'est ce là 50 sur 50. En fait ça représente des entiers, comme là j'ai défini les entiers code de A à Z. Et chaque entier sous Thomson basique, c'est ça prend 2 octets. Donc en fait, si vous avez une carte de 100 sur 200, il faut, alors que les bytes seuls, ça suffirait, et bien sur Thomson, ça prendra deux fois plus de place. Donc une carte de 50 sur 50, ça prendrait 2500, ça prendrait 5000 octets au lieu de 2500. Parce que ça double à cause des valeurs entières. Donc 5000 octets déjà. Mais bon, la carte que j'ai utilisée là pour le jeu, c'est de 30 sur 30 déjà. On verra ça. Et donc là, comment je fais là pour initialiser la carte? Et ben, je fais un restore et un read data. Donc les data, ils sont là. Et là, vous voyez que là, c'est des lignes de 30 sur 30. Donc là, ça correspond à une ligne. Là, le 1001, c'est 30 lignes, enfin 30, 30 cases. Et là, il y a 30 lignes de ça. Donc ça fait 900. Et là, c'est ce que je vais utiliser pour lire la carte. Ici. Motif 1, alors ici carte, alors j'ai mis un gossop quelque part, je crois gossop 210. Donc c'est en 210 là qu'on lit la carte. Non, c'est pas ça, c'est pas là, c'est avant. Ah, c'est là, c'est en ligne 3. For i égale 1, voilà, on a une double boucle là, une boucle impliquée. Donc for i égale 1 tout carte y max, voilà. Et ici c'est on lit les données de la carte 1. Donc là comme je vous dis ça fera 900, ça fera 1800 octets parce que c'est 2 octets par entier. Et là c'est l'opération qui prendra beaucoup de temps. Voilà. Donc c'est une première méthode. Et donc quand vous voulez faire un jeu du style Ultima, vous devez faire une carte comme ça, enfin vous devez mettre ça sous forme de data. En basique en tout cas. Et on verra que ça prend en fait beaucoup de temps avec cette méthode-là. Donc je vais faire hop, je vais faire un new là. Voilà, et là je refais fichier simule clavier. Voilà, je fais un run. Et vous voyez, ça prend du temps là à lire toutes les données, hein. Voilà. Et là, ça l'affiche motif par motif. Et donc, la méthode qui est utilisée sur les MO5 et TO7 pour faire scroller un peu la carte, c'est qu'avec, enfin, on réécrit à chaque fois les sprites à l'écran. Bon, je vais pas faire un cours là-dessus, c'est écrit dans le code, mais voilà. Vous voyez? Là je descends là, au sud. Voilà. Et donc comme ça réécrit à chaque fois le truc. Voilà. Alors ce qu'on pourrait faire déjà, c'est voir combien de temps ça met pour faire 10 déplacements. Alors je vais chronométrer, attention, prêt, parti. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10,
Voilà. Ça met 43 secondes. Donc en gros, ça met entre 4 et 4 secondes et demie pour faire un déplacement. Alors en fait, je vais vous parler un peu les inconvénients, enfin, quel est l'avantage et l'inconvénient d'utiliser cette méthode-là. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça prend 2 octets par entier saisi. Donc ça prend deux fois plus de place en mémoire. Comme on a un Thomson à 48 kilo octets, un MO5, c'est peut-être pas très avantageux si vous voulez garder un max de place en mémoire pour les codages. Alors, c'est pour ça qu'on va maintenant utiliser une autre méthode, qui est celle-là. Donc dans cette méthode-là, en fait, les datas sont sous forme de chaînes de caractères. Et donc, ça veut dire que on va lire non pas enfin la vitesse de lecture va être 30 fois plus rapide déjà. Parce que y a que 30 données à lire et non pas 900, et ensuite ça garde enfne ça utilise qu'un octet en mémoire pour chaque emplacement de la case. Alors vous allez dire, mais comment on fait avec des lettres et tout ça alors qu'on a des nombres de 0 à 8? Eh ben, c'est ce qu'on a ici. Alors, est-ce que j'ai mis ça? En fait, alors là, à l'affichage, l'affichage c'est ici. Donc l'affichage, il est là, 210. Donc à l'affichage, on utilise des fonctions de traitement de texte qui sont en basique, qui sont déjà. Alors le mid S, c'est l'équivalent de. Ça se trouve dans tous les langages de programmation, y compris en PHP, ça permet d'extraire une partie d'une chaîne de caractères. Donc là, vous voyez qu'on a des chaînes de 30 caractères. Et ici, avec mid s, on prend la variable chaîne, donc carte 1, machin, les chouettes, et on va en position x, bah, x plus i plutôt, et on extrait qu'un caractère de cette chaîne-là. Donc on peut utiliser qu'un des caractères. Donc par exemple, ça va être le f. Mais alors le f, c'est vrai de dire, mais le code ASCII, le f, c'est pas un entier. Non, c'est pas un entier, mais on peut le convertir en code ASCII. Voilà. Donc en code ASCII, en faisant un ASC. On trouve le même genre de fonction sur tous les langages de programmation. Donc c'est-à-dire que le caractère là qui est en F, qui doit être 70 à peu près dans le code ASCII. Le code ASCII 70. Alors comme c'est 70, il faut enlever 65 parce que les codes ASCII, en fait, ils commencent, enfin les lettres, les lettres majuscules commencent à 65, quel que soit le code ASCII utilisé. Et donc voilà, donc on fait moins 65 pour retourner à 0. Donc le code ASCII de F c'est 70. Donc on a 70 moins 65 ça fait 5. Et donc après on a le motif dont la valeur est 5 ici. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on extrait le truc. Alors cette fois, on n'a pas un tableau à deux dimensions, mais un tableau à une dimension. Comme on le voit ici, alors si je ne dis pas de bêtises, ça doit être par là. Voilà, c'est là, ligne 2 là. Carte 1, tac tac tac, non, c'est pas là. Non, c'est ligne 3, pardon, ligne 3. Il y a donc qu'une. Il y a qu'une boucle là. Il n'y a pas de boucle imbriquée, et là on lit la carte d'un seul coup. Donc comment que ça se passe concrètement? Alors je vais repasser là, hop, donc, je fais S pour sortir. Donc là je fais new, voilà, et je fais insérer un simulcahier. Voilà, je fais run. Voilà, bah toujours pareil, ça affiche caractère par caractère, hein, c'est du basique. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le chronomètre. Tout à l'heure, on était à 43 secondes pour 10 déplacements. Donc là, je vais lancer maintenant en haut. Donc 1, 2, 3. 4, 5,
7, 8, 9, 10. Donc là, on est à 47 secondes. 43 à 47 secondes. Donc en gros, on perd 10% d'affichage à cause du fait qu'on a la partie de manipulation de la chaîne, comme on a vu tout à l'heure, là, cette partie. Alors cette partie 210, c'est là. Cette partie-là, motif ASCII, machin, ça prend un peu de temps à faire le calcul. Donc c'est un peu à cause de ça qu'on perd 10% de temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je voulais donner quelques règles de programmation pour le basique des MO5. Alors, comme on n'a que 48 kilo-octets sur les Thomson, on essaie de réduire au maximum la taille du code texte en basique. Donc, on supprime les espaces, on utilise des nombres de variables aussi petites que possible. L'idéal serait des valeurs d'au plus, des variables d'au plus de caractères. On utilise des tableaux autant que possible. Donc, par exemple, on a, je sais pas, une table des personnes, par exemple, vous tapez, au lieu de faire personne 1, personne 2, personne 3 en nombre de variables, vous tapez PE avec un tableau à 10 dimensions. Voilà. Pour les tableaux, ne pas oublier que les variables par défaut sont en simple précision. C'est-à-dire que quand vous loguez sur votre Thomson, les nombres variables sont par défaut en simple précision, c'est-à-dire des réels en simple précision. Faut savoir quand même que le traitement de réels il prend 3 fois plus de temps, 3 à 4 fois plus de temps que le traitement des entiers. Donc c'est pour ça qu'au départ il faut faire un def int a à z. Et avec la variable entière sur 2 octets, alors que la variable sur simple précision sur 4, même si les indices de tableau sont entiers, il vaut mieux privilégier des tableaux chaînes de caractères à une dimension que les tableaux entiers à deux dimensions. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc vous voyez qu'avec la carte là, si vous mettez sous format les data en forme de chaîne de caractères, vous avez vraiment qu'un octet par case de la carte au lieu de deux. Et donc quand vous avez 48 kilo-octets sur la MO5, ça peut gagner du temps. Les chaînes de caractères sont limitées à 256 caractères. Donc effectivement les data, si vous voulez insérer dans les data, ça ira pas plus loin que 256 caractères par chaîne de caractères. Mais c'est largement suffisant pour le type de jeu dont on se sert ici. Pour le choix de la méthode, alors donc, soit vous optez pour les valeurs de tableau à deux dimensions, d'entier. Alors ça va prendre deux fois plus de place en mémoire par valeur. Donc pour un tableau de 30-30, ça prendrait 900 octets, 1800 octets, pardon. Mais par contre, ça prend un peu moins de temps à l'affichage parce que le problème c'est que c'est traitement par chaîne. Mais ça, c'est pour le basique. Hein. Je conclurai tout à l'heure avec de l'assembleur et vous verrez que c'est beaucoup plus rapide. Mais je ferai pas ça maintenant. Et soit vous optez pour un petit tableau à une dimension, donc à vers de chaîne de caractères. Alors, les deux avantages c'est que ça prend un, ça prend beaucoup moins de temps à lire les data, et deux, c'est que ça prend beaucoup moins de place pour les si vous voulez initialiser des tableaux. Voilà. Donc maintenant, on a vu ça. Alors maintenant, je vais vous faire voir une autre méthode d'affichage qui est en utilisant les put et les get. Mais ça ne fonctionne pas sur les Thomson MO5 et MO6 parce que les put et get, il faut beaucoup de mémoire sur ces Thomson-là et malheureusement, ça n'est pas possible avec le. En fait, l'idée, c'est que, en fait, à chaque nouvel affichage, vous faites une copie d'écran et vous la décalez à gauche, à droite, en haut ou en bas. Et ensuite, alors, d'abord, je vais d'abord mettre sur TO8D. Voilà. Donc voilà. Et ça ne fonctionne qu'avec le basique, ça ne fonctionne qu'avec le basique 128 et 512. Si je mets en 2 là par exemple, je vais faire ça va pas marcher, ils auraient voir une erreur. Donc basic 1.0 ça marchera pas. Vous allez voir. Out of memory error. Alors en plus, il y a un out of memory error. Donc là si je change, là je fais un démarrage à froid. Donc, toujours sur l'émulateur. Et là je fais un simule clavier. Hop.
Là, vous allez voir la méthode. Ça agit différemment. Donc, on va à droite. Vous voyez le flash là? En fait, ça fait une copie d'écran et ça fait une recopie. Alors, en fait, le problème sur la version MO6 et TO8, c'est qu'en fait, la copie d'écran, c'est un format compacté. Et donc, en fait, ça utilise beaucoup moins de place en mémoire que si c'était un format RAW comme ça utilise pour les Thomson MO5 et MO6. MO5 et TO7, pardon. Vous voyez, là, la plage. Et là, je peux pas aller plus loin. Voilà. Voilà. Et donc, on va faire un chronomètre là. Je vais chronométrer pour voir le temps que ça met. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça met 24 secondes. En gros, ça met deux fois moins de temps par cette méthode que par la méthode réaffichant les sprites à chaque fois. Alors ça, en fait, alors je vais vous montrer un peu le code comment c'est foutu. Là, comment on fait pour faire ça? Donc c'est ici hein, l'affichage de la carte. Donc à chaque fois, vous voyez, quand on fait un décalage par exemple à droite, quand on veut aller à droite. Ce qu'il faut, c'est que la zone à droite sans la bande gauche de la carte, la partie droite, en fait, on la décale à gauche. Et donc, ça fait à peu près 10 sur 11. On a une carte de 10 sur 11 qui est copiée d'un seul coup, d'un seul bloc, et qui est copiée sur la gauche. Et ensuite, il faut réafficher la bande à droite comme ça se fait. Donc le réaffichage se fait effectivement avec les motifs. Donc vous voyez là, on a la bande qui est coupée là, enfin la carte qui est coupée là, et ensuite on raffiche là en 242 motifs, X motifs, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, qu'est-ce que je voulais dire en conclusion? Alors, en fait, voilà, c'est un petit moteur en basique qui permet de faire des cartes pour des jeux de style Ultima, donc ou Mondragor. Là, on voit quand même que la vitesse est à peu près de 2,5 secondes pour rafraîchir une carte, sachant que si la carte était plus grande, cette méthode-là, avec les, en fait, c'est une copie d'écran bloc. Ça serait beaucoup beaucoup plus rapide en assembleur. J'estime à l'assembleur que l'affichage se ferait en 0,2 secondes, voire même moins. Sachant que sur les Thomson TO8 et MO6, il y a aussi un mode vidéo qui n'a jamais été exploité, qui est inconnu, qui permet de travailler que sur le fond d'écran, que l'affichage en arrière-plan. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sprites en avant-plan qui eux ne bougeront pas. Et on peut changer l'arrière-plan sans faire quoi que ce soit d'autre avec les sprites. Et ça, c'est vraiment top. Et comme on voit les jeux sur Apple II, style Ultima, etc., qui ont cette possibilité-là, qui affichent au moins deux fois plus vite que sur les Thomson, alors qu'ils ont la même fréquence d'horloge. Et on verra que, enfin, je ferai une vidéo prochainement à propos en utilisant ce mode vidéo-là. Mais vous verrez qu'en assembleur, ça va beaucoup plus vite. Alors, en plus, sur les Thomson, si on utilise le processeur 6509 le processeur japonais, là, lui, par contre, il permet de faire des copies en bloc, et là, ça irait encore plus vite. Voilà. Donc, c'était la petite présentation de programmation pour une carte... Pour une carte de jeu de style RPG, style Ultima. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.